Je mets un peu de viande, tu sais, mais moi, les carnivores, quand il y a trop de trucs, j'aime pas ça. Tu sais, moi, justement, j'aime bien la margarita pis tout ça. Pis, mais des fois, tu sais, je file un petit peu olé olé, là, tu sais, je file un peu de tannant, là, pis là, je prends une avec des ananas, là, pis là. Écoute, je sais pas si tu le savais, mais les pizzas pochettes, du moins ce qu'on appelle les pizza pops, ont été inventées ici, monsieur. Arrête donc! Chez vous! Ah, ben pas chez nous, mais en Colombie-Britannique. Okay, okay. Yes! Puis encore plus quand tu sais que la pizza hawaïenne, c'est une autre invention canadienne. Yes! Mais... Oh, Canada! Si t'étais une pizza, tu serais laquelle? Définitivement, croûte mince. Parce que je suis élancé. Mais tu vois, moi, je suis très, très sauce piquante. J'adore les pizzas plus piquantes. Fait que ça serait probablement une pizza sicilienne. Yes! On s'est amusé okay. à acheter tes tunes sur iTunes. Puis quand on achète tes tunes sur iTunes, tu sais ce qu'on reçoit comme message? Non! C'est écrit « Pizza Pochette Records ». Oui! « Pizza Pochette Records ». Comme ta compagnie s'appelle Pizza Pochette Records ou ouais. C'est d'où ça? Ben, c'est exactement ça. Ben, tu sais, c'est très non officiel, là, mais c'est. Ça l'est maintenant. Mais, ouais, ben, on est un employé dans la compagnie. Ce qu'on appelle un autogéré. La pizza de. Tu sais, la bonne pizza grasse de livraison que tu manges en restant le lendemain, j'adore ça. Au dîner, évidemment, ça le fait. Puis, ben, le souper. C'est pas dur à se convaincre de manger de la pizza au souper. J'adore la croûte farcie. Yes! Le trio d'épée, la Sainte Trinité, pizza, poutine, ou encore, voyons, pizza, poutine, pâte, c'est ça. Oui, exact. Pizza, poutine, pâte. Patate pogo, pingouin, j'imagine. Il n'y a rien de plus américain que de prendre un plat d'ailleurs puis de dire on va le mettre en format baseball. Non! On avait beaucoup de points en commun, on en a.